Et c'est parti, bonjour à vous tous. Donc, du coup, je me présente Alexandre, Age Animation, pardon, et je représenterai aussi. Allez, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, Alexandre pour Sandaya Riviera d'Azur, le camping dans le Var. Et aussi, on va représenter ça pour AG Animation. N'oubliez pas, pour une bonne activité, je vous demande s'il vous plaît d'avoir une tenue sportive avec des chaussures à lacets, mais aussi une bouteille d'eau ainsi qu'une serviette pour s'éponger ou pour aller au sol. On va avoir trois parties. Tout simplement, la mise à disposition de son corps. On va faire de la marche, une partie un peu plus cardio. J'espère que vous êtes fin prêt pour cette activité. Moi, je vous souhaite bon courage. Ça va durer à peu près 20 minutes ensemble pour s'échauffer au maximum, pour faire la meilleure des activités derrière. Ce sera votre guise. N'oubliez pas, le sport, c'est la vie. À tout de suite. Ciao, ciao! Alors, on est fin prêt pour cette activité. On va tout simplement faire un petit échauffement tranquillement. On va faire des mouvements linéaires aujourd'hui. Je vais vous demander de vous mettre bien droit, d'accord, sur vos appuis, tranquillement. On va prendre l'axe au niveau des épaules. On va relâcher, on va commencer au niveau de la tête. On va tout simplement faire une bascule droite et gauche. Alors, je vais tracer votre miroir par rapport à vous, donc on va à droite. On sent une légère tension au niveau de la nuque, on la garde. On inspire, expire profondément. Et on change de côté. Dans le même principe, on sent une légère tension au niveau de la nuque. On inspire, expire profondément. Encore une fois. Encore une fois. Et on revient au milieu. On va chercher haut. Allez, on va contempler les étoiles, ou le ciel bleu, ou le soleil. Lâchez bien. Amenez la tension au milieu. Et nous on garde. Et on redescend. On ancre tout simplement sur le menton, directement contre le corps. Et on essaie de tirer un petit peu plus. Et on remonte. Toujours le même principe, on inspire profondément. Et on redescend. Alors, on exagère un petit peu, ça fait. D'accord ? Et on revient au milieu. Très bien. Tout simplement, on va remonter les épaules et on va redescendre. On remonte très bien, on se met la tension contractée, on descend. Allez. Très bien, dans le même principe, on ressort les coudes et on redescend. Et on ressort les coudes. Allez, très bien. On garde le sourire. Allez, dans le même principe, on va tirer les bras vers la hauteur, très bien. Et on remonte, très bien. Très bien. Essayez de tenir et on redescend. Très bien. Allez, dans le même principe, les paumes de main vers le haut. Et on continue. Parfait. Et dans le même principe, on remonte et on fait 45 degrés au-dessus de la tête. Très bien. Allez, inspire. Expire. Ok, jusqu'au niveau de la tête. Et on marche. Encore. 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 Ok, très bien. On garde les bras tendus sur les côtés. Très bien. Petit battement, gentiment. Paume des mains toujours vers le ciel. Ok, on va essayer d'aller chercher gentiment ou simplement en un battement son épaule. On va chercher son épaule et on retourne. Très bien. Très bien. Tranquillement. Parfait. Allez, dans le même principe, on va tout simplement ramener jusqu'aux épaules et on va chercher à aller vers le ciel. Et on redescend et on retourne. Très bien. Et on retourne. Et on va rester en l'air. Très bien, on fait descendre vers la tête et on remonte. Devant la tête. On essaie de garder un rythme. Alors le sien peut être lent ou plus rapide. On s'échauffe
à sa guise. On connaît mieux son corps que soi. Derrière, devant, derrière, devant. Allez, on alterne. Et on va reposer les mains sur les épaules. Très bien, on va chercher devant. Et on va chercher les épaules. Devant. Devant. Parfait. Allez, dans le même principe, au niveau de la poitrine. On touche la poitrine et on va devant. Parfait. Même principe au niveau du nombril. Allez, j'essaie de bien rester dans la position un petit peu initiale. Hein. D'accord, les genoux légèrement fléchis. Bien, la poitrine bien bombée vers l'avant. Ok, le dos droit. Et je reviens vers la poitrine. Et je reviens aux épaules. Et je vais garder les bras tendus. Très bien. Je vais réouvrir sur le côté. Je vais rechercher mes petites épaules. Et tout simplement, je vais alterner droite et gauche. D'accord ? Donc, droite et gauche. Parfait. Parfait. Et les paumes des mains vers l'avant. Très bien. Et on fait coucou. Yes ! Parfait. Alors, on accélère un petit peu. On met à disposition son corps. Une vraie activité physique. Là, pour l'instant, ça reste un échauffement, encore une fois. Très bien. Et je vais relâcher le long de mon corps. Parfait. Je vais attraper mes deux hanches, d'accord ? Et je vais tout simplement chercher à décaler mon bassin. Pour l'instant, on va faire un petit jeu, ça va être très simple. Je vais vous dire droite, gauche, devant, derrière. Donc, devant sera comme moi, vous irez devant, d'accord ? Vous contactez bien les fessiers. Vous allez bien devant et vous contactez votre ceinture abdominale au niveau des abdos. Quand c'est derrière, on va chercher vers l'arrière. On bombe la poitrine vers l'avant, d'accord ? On contracte bien ses abdos et on va chercher à mettre le fessier vers l'arrière. Donc là, au niveau des obliques, ça doit faire un petit peu mal, mais surtout au niveau des lombaires, d'accord ? Ensuite, sur les côtés, une droite. Pour vous, droite, ça sera droite, pour moi, ça sera gauche. Ok ? Et l'autre côté. On ressort juste là. Ça marche ? Allez, les jambes sont bien mises à disposition quand je vais sur le côté. Ma jambe, bon côté, est un peu plus droite. L'autre est légèrement plus fléchie. C'est parti, on va faire devant. Derrière, devant, derrière. Allez, je garde ma position contractée. Devant, droite, devant, derrière, droite, gauche, derrière, devant, droite, derrière, devant, droite et gauche. Parfait. Cette fois, on va essayer d'aller chercher plus loin, tout simplement devant. On va chercher loin devant, loin derrière, loin sur le côté droit, loin sur le côté gauche. Parfait. Et attention, on va chercher encore plus loin. On tire, on tire, on tire, on tire. On va derrière. On va vers la droite, loin vers la droite, loin vers la gauche. Très bien, et on relâche. Ok, on va continuer tout simplement. On va relever ses coudes, on va les mettre en terre des épaules. On va garder les deux mains l'une devant l'autre, d'accord ? Et on va tout simplement chercher à tourner d'un côté. On va chercher à avoir une légère tension, on la garde. On inspire, expire profondément. Et on change de côté, on le même principe. Encore une fois. Encore une fois. On reste dans cette même position, on revient en initial départ. La main côté gauche, d'accord ? Droite pour moi, gauche pour vous. Tout simplement, on va chercher à la lever. Et on va aller chercher. Très bien. Et on revient en initial. C'est le même principe de l'autre côté. Je ne cesserai de la répéter, hein. La respiration est importante. Inspire, expire profondément. Et le retour. Bien, et on relâche. Parfait. Au niveau des genoux, on va les rassembler de l'un à l'autre. D'accord ? On va reposer les mains dessus. On va tout simplement faire petit cercle aujourd'hui. Et on change de sens tout de suite. Très bien, on change de sens. Alors, pour cette position-là, hein, le rappel, vous faites une position semi-assise. Hein. Vous pouvez essayer de la bomber vers l'avant. Vous avez une position un peu assise. Donc, du coup, vous ressortez les fesses vers l'arrière. Posez bien vos deux mains sur les genoux et vous mouillez. D'accord ? Et change de sens.
échange de sens. À l'échange de sens, et tu relâches, tu te remets droit au niveau de la cheville. Très simplement, on va faire des petits balanciers droite-gauche pour l'instant. Devant derrière. Droite-gauche. Devant derrière. Et tu changes de pied. Même principe, droite-gauche. Alors, vous avez bien remarqué, hein, le talon ne touche pas le sol. On est sur la pointe du pied. Devant derrière. Droite gauche. Devant derrière. Et tu relâches. Ok, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la marche. Très simplement, on va commencer à se déplacer de notre environnement. Attention, je vais vous donner aujourd'hui quatre mouvements. Quatre mouvements vont être dénoncés au fur et à mesure. D'accord ? Néanmoins, je vous donne le numéro 1, ce sera les pointes des mains bien droites. D'accord ? Bien tendu vers l'avant. On partira au niveau des pectoraux et tout simplement, on va pousser droit. D'accord ? Je fais une bras tendu, je rame. Ok ? La position de base, je suis bien assis et je viens tirer, tirer, tirer. 10 répétitions. D'accord ? Je me déplace. Ce sera le numéro 1. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez compris, au fur et à mesure, on va augmenter la cadence, on va aller de plus en plus vite, on va donner d'autres mouvements. Aujourd'hui, on va réchauffer un petit peu plus le haut du corps, hein, j'ai envie là. Et ça fait 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serrez bien votre ceinture. D'accord, pour cet exercice-là. Vous serrez au niveau des fessiers, vous restez stoïque, d'accord, à ce niveau-là. Et là, les bras sont toniques et ça fait 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très très bien. Au niveau 2. Niveau 2, très simplement, ça va être un crochet. D'accord ? Crochet. On va avoir la main tendue, encore une fois, vers l'avant. On va la ramener jusqu'à la hauteur de son visage. Et au niveau du visage, on va stopper. D'accord ? Comme s'il y avait un mur. Ça me stoppe. Et je relâche. Ok ? Tac, 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 tac. D'accord ? Pas 2. Ok ? Ça marche ? C'est le mouvement numéro 2. C'est un crochet, tout simplement. Mouvement numéro 2. 10 répétitions. Top, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la claque. Et attention, numéro 1, on reprend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va tout de suite rentrer un peu dans le cardio. Hein. Et 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, numéro 2, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, je vais vous donner un troisième mouvement. Numéro 3, c'est très simplement, on percute, on part d'en bas. La main toujours bien tendue, paume de main vers l'avant. On va remonter au top de son visage et on tient, d'accord ? On tient, on tient, on tient, on tient. 10 répétitions encore une fois. Mouvement numéro 3. Attention. 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon corps est bien tendu, d'accord ? Sec, on contracte. Attention. Mouvement numéro 2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on contracte. Attention numéro 1, on accélère un petit peu, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on refait, allez, 1, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pas mal, pas mal, pas mal. Attention, je vais vous donner un quatrième mouvement, ce sera le dernier mouvement que je vais vous donner. Quatrième mouvement, il est très très simple, c'est on part d'en haut, on redescend. Moi j'appelle ça le crawl, où je pars d'en haut, paume de main toujours vers l'avant, et je redescends mes pieds sur le bumper. Attention, quand j'appuie dessus, j'enlève la main. J'appuie, 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 d'accord ? Attention pour 10 répétitions. On va commencer par le mouvement numéro 4 et top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On continue, on se déplace. Cette fois, on va se déplacer à cloche-pied droit, s'il vous plaît. C'est parti. Les deux mains ancrées sur les hanches. Et je suis en cloche-pied droit. Entre chaque mouvement, on changera de cloche-pied. Et attention, numéro 1, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cloche-pied gauche. Les deux mains sont sur les hanches. Allez. Attention, j'essaie de regarder bien la pointe du pied. Le talon ne touche pas. Et ça sera numéro 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et attention, numéro 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, serre pas. Et 2, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. On garde les deux mains sur les hanches. Allez, allez, attention. 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu te déplaces normalement. Ok, je sens qu'on rentre un petit peu plus dans le côté cardio. On va continuer très gentiment. Cette fois, je vais vous demander de garder les bras tendus vers l'avant. Et je me déplace. Très bien, sur les côtés. Et je me déplace. Alors là, c'est comme un petit gainage, pardon. Statique, d'accord, qui reste dynamique pour le reste du corps, mais statique. Et du coup, on va chercher un petit peu plus à chauffer le fond du muscle. Tendu vers le ciel. Très bien. On va se poser, très simplement. On va poser nos deux pieds en sortie, on va dire, légère d'épaule, d'accord. Légère d'épaule, comme si on allait faire une squat souvent. Très bien. Les paumes des mains toujours vers l'avant. On va toujours rester tendu. Très, très bien. Petit mouvement, paume des mains vers le ciel. Et on fait un petit mouvement. On inspire, expire. Allez, attention, une série de 5 secondes très rapide. Top, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte. 45 degrés vers le ciel. Alors, même principe. Attention, 5 secondes très rapide. Top, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte. Allez, attention, très rapide. 5 secondes. Top, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Hein, parfait, vous avez terminé la deuxième étape. Il ne nous reste plus qu'une étape, je vous en prie. Il faut bien s'hydrater, c'est très important pour les activités sportives. Moi, pour l'instant, je prépare la musique. Je vous laisse 20 secondes de prépa. Attention, faites à vous. À tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous rappelle, il y a 4 mouvements. Les 4 mouvements, je vais dénoncer tout à l'heure. Numéro 1. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ok ? Tranquillement. On va essentiellement faire le haut du corps. Du moment où je vous dirai on court, donc là on court. Je dirai on accélère, donc là on accélère. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? J'espère que vous êtes prêts. Là, vous avez une euphorie, tout le monde se lève, vous êtes plus fort. Bah, vous connaissez tout ça. Ça se passe à l'exération derrière. Vous n'avez pas un objectif, appelez et venez. Allez, très simplement, on va commencer sur numéro 1. Ok. C'est bien, numéro 2. Oh, regardez. Et puis on va faire numéro 4. Oh, Attention. Ok, on va courir sur place. Et... Tu remontes. Hop, c'est le numéro 1 devant. Accélère. Ok, numéro 3. Oh, regarde le plan. Et là, on se passe. Ok, numéro 4. Devant. Numéro 1. Pour un temps. Ok, ça suffit. Pour un temps. Ok. Deux. Côté. Deux. Côté. Deux. Côté. Deux. Accélère. Numéro 2. Ok, bah on est en cours. Baisse, accélère. C'est bon. Baisse, c'est bon. Voilà. Ok, c'est le numéro 1. Deux.
4, 2, 3. Et tu relâches. Je crois que pour vous, vous êtes fin prêt. Les muscles commencent à être chauds. On peut partir sur une belle activité. Je sais que vous êtes chaud, je sais que vous pouvez et vous êtes capable. Je peux pas regarder, il y a plusieurs vidéos qui sont donc du coup sur le YouTube, mais vous pouvez aller aussi sur le Facebook ainsi que l'Instagram. Néanmoins, je vous remercie encore pour ces temps passés ensemble. Je vous dis à très très vite pour une autre activité. Et n'oubliez pas de vous hydrater. N'oubliez pas de garder votre tenue sportive. Vous soyez parmi nous pour l'instant. On en profite au maximum. Et n'oubliez surtout pas, tout ça, c'est cadeau.